Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un joueur gratuitement sur FIFA 15 en carrière manager. Donc moi, je suis avec le Paris Saint-Germain. Donc moi, par exemple, là, vous voyez qu'on a 77 Maxwell. Ce que je vais faire, c'est que je vais approcher Marcelo. Donc hop, donc chercher joueur. Donc j'arrive, je vais taper Marcelo et on se retrouve après. Donc heureux, donc c'est bon. Donc je suis avec, attendez, excusez-moi, voilà, Marcelo. Là, vous cliquez sur approcher Real Madrid pour achat. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une offre où le Real Madrid va accepter. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout votre budget, hein. Voilà. Donc vous inquiétez pas, moi, je vais pas payer 120 millions d'euros pour un joueur comme ça. Mais je vous conseille de mettre votre budget de transfert. Comme ça, c'est sûr qu'il va accepter parce que 120 millions, waouh! Pour un joueur comme ça, après tu peux plus faire de marquage, donc c'est ce que je veux dire. Donc on va avancer dans les jours. Hop, donc là vous allez avancer dans les jours. Donc on a des mails et tout. Ok, donc là ils me mettent transfert accepté, donc c'est bon. Donc vous voyez Marcelo, transfert accepté. Vous appuyez sur A. Et là donc vous mettez un truc complètement pourri, c'est-à-dire titulaire en devenir. C'est le poste le plus pourri qu'on peut proposer à un joueur de ce type. Voilà, donc vous mettez titulaire en devenir, vous appuyez sur B. Et ensuite vous avancez, vous avancez dans les jours, excusez-moi. Et là, il vous mettra proposition de contrat refusée. Honnêtement, le rôle que vous me comptez me donner dans votre club est à la limite de l'insulte. Ça veut dire que c'est bon. Vous allez appuyer sur B et vous allez appuyer jusqu'à trouver transfert. Là, vous allez dans, hop, hop, dans ma liste prioritaire. Et là, vous allez reprendre Marcelo. Vous allez mettre approcher Real Madrid pour achat. Et là, vous allez mettre 0 euros. Voilà, vous allez mettre 0 euros. Donc, évidemment, c'est votre joueur, hein. C'est pas Marcelo en particulier. Ça marche avec tous les joueurs du monde, hein, sur FIFA 15. Ça marche avec tous les joueurs du monde. Et là, vous allez vous empresser d'aller renouveler son contrat. Donc là, vous mettez hop, hop, hop. Et là, vous mettez titulaire indiscutable. Ben voilà. Moi, je vais mettre une prime d'invincibilité de 20% pour vraiment qu'il accepte. Hop. Et là, vous allez avancer dans les jours. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Donc là, vous appuyez sur B. Donc là, vous appuyez là. Hop. 1, 2, 3. Pour aller là, ici. Et là, vous allez appuyer sur A. Donc pour avancer dans les jours, en fait. Hop, 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 hop. Et là, attendez. Hop. Proposition de transfert, on s'en fout. Donc là, il m'a pas répondu. Hop. On va avancer dans les jours. Et là, il va vous mettre proposition de contrat acceptée. Vous allez appuyer sur A et là. Tadadadam, 0 euro. Donc là, vous avez juste qu'à payer le salaire. Et vous pouvez vous faire une équipe de ouf avec ça. Voilà. Et hop, et là, vous appuyez sur A. Et voilà. Votre joueur dont vous avez approché est venu dans le club. Et là, comme vous pouvez voir, donc moi, c'est Marcelo, par exemple. Hop, et là, vous voyez. Attendez, attendez. 0 euro, voilà. Donc ce n'est pas un fake, hein, c'est vraiment un bug donc de FIFA 15. Donc voilà, ouais, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo. Mettez un j'aime, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et surtout commentez, hein, dans les commentaires, vous mettez votre commentaire. Et au revoir.